Puerto Fissa. Il se porte bien. Mana chante un peu Puerto Fissa ce soir. Oyakaya est au fixé, il est sur le terrain. Oya le meilleur joueur camerounais. Oya le meilleur joueur d'Afrique, Mango Mango. Le meilleur joueur du monde est au fixé, Mara Komode. Oya est au fixé, appelé le ballon. Il a commencé à rentrer dans la surface de réparation. Oya est au fixé, il a commencé à déborder. Est au fixé, allez, débordement, débordement, débordement. Est au fixé, débordement, débordement, débordement. Est au fixé, débordement, débordement. Bonjour les gars, bonjour les filles, bienvenue dans ce Facebook Live. Toujours muselé de l'autre côté, mais nous allons toucher de ce côté. Je compte sur vous pour partager. Donc, ce matin, nous allons parler de Eto'o Fils, hein, et puis nous allons aussi évoquer le sujet de l'honorable Jean-Michel Lintche, qui va rencontrer les Camerounais de la diaspora ce samedi. Honorable Jean-Michel Lintche qui convoque toute la Talibanie. Donc, partagez un tout petit peu. Et puis, je vais vite faire, hein, parce que je dois aller acheter les fournitures scolaires des enfants. Ouais. Oh là là. Donc, Eto'o en train de lire le... Il a en train de lire sur la sardine. Je
Donc voilà, sur le plan du football, Eto'o, c'était un garçon qui était vraiment dédié à sa carrière. C'était quelqu'un qui avait tout donné dans sa carrière footballistique. Il ne ménageait aucun effort pour être au top, au sommet des sommets. Oui, sur le plan du football, on ne peut rien lui reprocher. On ne va pas entrer dans sa vie privée, ça ne nous intéresse pas. Nous ne sommes pas parfaits. Nous tous, on connaît les choses qu'il a faites dans sa vie privée. Ça ne nous intéresse pas. Là où nous les talibans, on devient intéressés, c'est quand Eto'o commence à jouer le jeu de la politique. C'est là où nous, on s'intéresse. En 2018, quand la CAF était venue évaluer si le Cameroun était prêt à recevoir la CAN 2019, Eto'o, qui est utilisé comme étendard, porte-drapeau du football camerounais par la fédération camerounaise, quand il marquait les buts pour le Cameroun, quand il jouait à l'équipe nationale et qu'il remportait les trophées, on n'avait jamais vu qu'il était espagnol, hein? Non, ça n'intéressait personne. Quand on l'utilise pour aller faire les négociations avec les Ahmad Ahmad, pour aller, Eto'o, oui, sur le plan du football, on a eu Roger Milla qui est reconnu à l'international, vraiment reconnu. On a aussi Eto'o qui est très connu à l'international. Sauf que Eto'o est allé un peu plus loin que Roger Milla. Eto'o, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur les relations internationales. C'est quelqu'un qui est allé à la rencontre des autres. C'est quelqu'un qui s'est investi dans le rayonnement du football camerounais à l'étranger. Oui, il s'est vraiment investi dans le rayonnement du football camerounais à l'étranger. Donc, quand le Ahmad Ahmad Aka vient évaluer si le Cameroun est prêt pour la CAN 2019, Ahmad Ahmad vient avec Eto'o. Tout le monde sait que le Cameroun n'est pas prêt. Tout le monde sait que les stades ne sont pas prêts. Tout le monde sait qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a rien. Tout le monde le sait. On sait que le Cameroun ne peut pas recevoir une CAN en 2019. Tout le monde sait aussi que Biya a engagé une guerre au Nozo qui est en train de faire rage, qui est en train de tuer. Tout le monde sait que Boko Haram est en train de décimer à l'extrême nord. Tout le monde le sait. Et on s'attend à ce que Eto'o, en tant que Camerounais, en tant que citoyen qui se soucie de la situation du Cameroun, dise la vérité devant les médias et dise que non, vraiment, malgré tous nos efforts, malgré tout le travail qui a été fait, le Cameroun n'est pas prêt à recevoir cette CAN. Eto'o est parti à la présidence avec Ahmad Ahmad. Quand il est ressorti de là, sur le palier de la présidence de Toudi, Eto'o nous dit que le Cameroun va recevoir la CAN, que le Cameroun est prêt. Tollé général, j'ai dit là, tout le monde est tombé sur lui. On a dit, mais comment tu peux vendre ton peuple? Ce pauvre peuple qui t'a soutenu, ce pauvre peuple qui t'a élevé, ce pauvre peuple qui a fait de toi ce que tu es, tu as oublié d'où tu sortais à Neubel pour vendre tout le peuple et aller soutenir un dictateur parce que oui, il savait qu'il y avait les élections 2018 qui arrivaient. Et que si on déclarait à Mondovision que le Cameroun ne peut pas recevoir la CAN, le peuple allait se retourner, il devait y avoir émeute parce qu'il n'y a rien qui réunit et qui met d'accord les Camerounais comme le football. Il n'y a rien. S'il tentait de dire à ce moment, avant les élections 2018, que vraiment, mes frères, malgré tout le travail qu'on a fait, le Cameroun ne peut pas recevoir cette CAN, Biya ne serait plus à Etoudi. Biya ne serait plus à Etoudi. Eto'o nous a dit qu'il a soutenu cette théorie et cette thèse parce que Biya l'est de lui. Eto'o a arrêté de penser au peuple. Il a pensé à son avantage personnel. Il a pensé à ce qu'il reçoit de la présidence. Et il a dit que pour tout ce que Biya a fait pour lui,
Il a soutenu que le Cameroun sera prêt. Et on a vu le glissement à Mondo Vision. La Coupe d'Afrique des Nations 2017 a glissé que vroup. Ils nous ont dit que le Cameroun sera prêt. Bien dit, le Cameroun sera prêt le jour dit. J'en prends l'engagement. Bidoumpat est parti s'asseoir et dit que le chef de l'État a dit que le Cameroun va recevoir la Coupe d'Afrique des Nations. Que les paroles du chef de l'État ne se discutent pas. Tout ça parce qu'ils savaient que les élections arrivaient. Et que le seul ingrédient, je dis bien le seul ingrédient, qui pouvait même amener ce peuple à se mettre en colère et à se lever, c'est le football. C'est le football. Voilà donc. Et donc, qui a vendu tout le peuple pour soutenir la satrapie, pour soutenir un régime tortionnaire, génocidaire. En son âme et conscience, ce garçon, s'il dormait comme ça et il pensait aux gens qui mouraient au Nozo, aux gens qui mouraient à l'extrême nord, il allait dire la vérité devant les médias internationaux. Drogba, en son temps, quand la Côte d'Ivoire était en guerre, quand la Côte d'Ivoire était déchirée par une guerre sanglante, alors que des milliers d'Ivoiriens crevaient sous les balles, la Côte d'Ivoire partait pour la Coupe d'Afrique des Nations. Drogba s'est mis à genoux devant tout le peuple. Et la division en Côte d'Ivoire était encore plus grave parce que d'un côté, vous aviez les nordistes musulmans et d'un autre côté, vous aviez les sudistes. Et tous se retrouvaient à l'intérieur de l'équipe nationale. L'équipe nationale ivoirienne était formée des Ivoiriens du Nord, des Ivoiriens du Sud. Comment est-ce que ces enfants allaient jouer ensemble, manger ensemble, dormir ensemble et se battre pour le même pays alors que sur le terrain, il y avait une guerre qui les divisait? Alors, Drogba s'est mis à genoux. La star de l'équipe, l'enfant que le peuple chérissait au sommet de son âge et de sa gloire, il a demandé pardon au peuple ivoirien. Il a demandé pardon au peuple ivoirien. Il a demandé à ce que le peuple s'unifie. Drogba s'est mis à genoux devant tout son peuple, afin que le peuple s'unisse. Depuis qu'on a les divisions au Cameroun, la guerre au Cameroun, Eto'o a déjà parlé quoi? Qu'est-ce que Eto'o a déjà dit en ce qui concerne les morts du Nozo? Est-ce que Eto'o a fait une sortie pour les morts de Ngarbou? Est-ce que Eto'o a fait une sortie pour les enfants de Koumba qui ont été massacrés par la milice génocidaire? Est-ce que Eto'o a parlé pour les femmes qu'on égorge au Nozo? Nous ici, on est même arrivé au point où parmi nous, il y a des gens qui sont traumatisés. Tu te réveilles le matin, tu vois une femme qu'on a égorgée. Tu vois des enfants. Vous vous rappelez les images des enfants de Koumba qu'on avait tué, le cœur battait à plein ciel ouvert. Et toi, tu es l'icône de toute une nation. Tu es l'icône de tout un pays. Tu es cet enfant-là que le peuple a porté. Sans que ce peuple ne te soutienne. On sait comment le football se passe en Europe. Et toi, n'étais pas favori par les médias européens. Nous tous, on sait que les médias français ont toujours cherché à le tuer. On sait que les médias européens l'ont toujours défavorisé, raison pour laquelle il n'a pas eu le ballon d'or européen. Mais nous l'avons soutenu, on a dit c'est notre enfant. S'il est fou, c'est notre fou. S'il a une grosse bouche, une grosse gueule, parce que lui aussi sa bouche ne restait pas tranquille, c'est notre grosse gueule. On l'a porté. On l'a porté au moment de se lever pour le peuple. Et on nous laisse tomber.
au moment où sa voix comptait, parce que la voix d'Eto était très importante en ce moment-là. J'ai dit la voix d'Eto changeait tout dans le Cameroun en ce moment. Notre star, notre icône, notre idole, celui que le Cameroun vante partout, l'ambassadeur de l'UNICEF, l'ambassadeur du football camerounais, s'il se levait en ce moment et il disait « Vraiment, je suis désolé, mais mon pays ne peut pas recevoir la CAN parce qu'il y a la guerre au Noso, parce qu'il y a la guerre au nord, à l'extrême nord, parce qu'il n'y a pas de stade, parce qu'il n'y a pas d'hôpitaux, parce qu'il n'y a pas d'hôtel, parce qu'il n'y a pas de route. Et vraiment, nous nous excusons pour ça, nous allons travailler pour recevoir la CAN à la prochaine occasion. » Si Eto avait eu cette honnêteté interne, intrinsèque, il aurait perdu peut-être les faveurs du satrape, mais il aurait gagné l'amour du peuple encore plus. Il aurait gagné le respect du monde entier. Qui aurait dit ce garçon est courageux? Ce garçon dit des choses que personne n'ose dire. Il aurait gagné du respect. Mais depuis ce temps, quand Eto a vendu le peuple, son étoile a chuté. Son rayonnement est tombé. Même sur le plan international, il n'a plus la même aura. Il a fait le tour du Cameroun, il partait de village en village. On ne voyait plus les gens courir derrière lui. Eto a oublié que la sardine n'a pas d'amis. La sardine n'a pas d'amis. Quand tu es au sommet de ton âge, tu utilises. Oui, il était bon. On chantait Papa Eto quand il les invitait dans les boîtes de nuit, achetait les champagnes à je ne sais plus combien de milliers d'euros. Quand il leur offrait des montres, quand il leur offrait des voitures, il était Papa Eto. Eto était en Europe l'ami de tous les enfants des ministres. Je dis bien l'ami de tous les enfants des ministres. Parce que oui, même les enfants de celui que vous connaissez, qui était censé aller à l'école en Europe, ils n'allaient pas à l'école. Des enfants qui circulaient, qui roulaient en Rolls Royce, qui étaient dans les boîtes de nuit tous les soirs, qui marchaient avec Samuel Eto'o. Voilà, c'était son rôle. Quand il disait que c'est mon père, c'est parce qu'il marchait avec les enfants du dictateur, les enfants des ministres en Europe, ils faisaient la fête ensemble. Il a cru que faire la fête avec les enfants des ministres, les enfants du dictateur, fait de lui l'enfant du dictateur. Et c'est pour ça que lorsqu'il se lève, il dit le Cameroun va recevoir la CAN. Après, il a justifié en disant que c'est pour ce que son papa a fait pour lui. Oubliant que l'horloge biologique et le karma. Karma is a bitch. Karma is a bitch. Le sang des enfants du Noso. Parce que si tu avais parlé le temps là, les choses auraient changé. Tous ces gens qui sont morts depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, le sang de ces gens parle sur toi, mon petit. Le sang de ces gens parle sur toi. Tu croyais que parce que tu t'appelles Eto, ils vont t'ouvrir les portes grandement? Petit frère, tu vas apprendre à lire-leur, tu vas lire-leur. Tu vas lire-leur sur la calvitie du mort vivant. Les gars te disent déjà qu'il n'y a pas de double nationalité, donc toi là, tu es écarté d'office. C'est la même chose qu'on avait fait à Evencom quand il fallait maintenant se présenter. Oui, oui, vous êtes des bons animateurs. Vous êtes des bons chanteurs, des bons soldats de troupes. C'est vous qui divertissez le peuple. Vous êtes bons pour divertir le peuple, pour qu'eux, ils restent au pouvoir. Votre rôle, c'est de continuer à endormir le peuple pour qu'eux restent manger l'argent. Quand vous aussi, vous voulez déjà ouvrir les yeux pour entrer dans la mangeoire, ils commencent à créer les obstacles que non. Tu dois seulement continuer à divertir le peuple. Tu vas ouvrir les yeux, tu vas où? Tu veux diriger quoi? Donc toi aussi tu vas avoir un budget? Les gars disent non, les sardinats n'ont pas d'amis. Votre rôle, c'est de divertir le peuple, c'est ça. Quand vous divertissez le peuple et que vous l'empêchez de s'intéresser aux problèmes importants, vous êtes leurs amis. Evencom a fait son histoire là, dans Dynamo de Douala, patati patata, ils étaient contents. Mais Manbassa, la bébé, ils sont contents. Le jour où tu vas aussi ouvrir les yeux pour dire que tu veux diriger quelque chose, oh, on te rappelle que, oh, et toi là,
Naoussa Idigo, tu ne vas nulle part, tu vas sauf que divertir le peuple. Mais voilà, c'est ça que tu es en train de voir. Tu es en train de lire. Tu es en train de lire sur la perruque de maman Touf-Touf. Tu as diverti le peuple, tu as trompé le peuple. Tu as entraîné les Camerounais dans les partous, dans les machins, les histoires qui n'ont pas de sens. Chaque fois qu'il y avait un truc important, pop, une histoire de Samuel et tout sort. Wow, Nathalie quoi a fait ci. Wow, Samuel et toi on a attrapé avec ceci. Wow, telle est encore sortie. Alex on dit que tu as dragué sa femme. Wow, oh, tu as couché la femme de telle. Chaque fois que le peuple veut s'intéresser aux choses importantes, tu nous sors un scandale. Comme tu ne joues plus au foot, le scandale dans lequel tu t'es vraiment lancé et a excellé, c'est les partous, c'est les femmes des gens, c'est les machins, les photos, les vidéos, les machins. Et voilà que quand on veut déjà parler d'un sujet important, tu nous bombardes l'autre. Pouf, bon, on dit que toi encore fais ceci. Oh, les lives à gauche, les lives à droite. Le peuple se verse dans la diversion. On oublie le problème important. On s'intéresse à ton caleçon, au caleçon de tes copines, au caleçon de tes amis, ainsi de suite. Tu as fait ça. Tu as distrait le peuple. Assume. Tu as distrait. Ton rôle, c'était de distraire le peuple. Au moment où on est dans les choses importantes, boum! Oh, Nathalie Nkoua était montée. Oh, c'était avec un directeur du cabinet civil. Oh, c'est ça fait ci, ça fait ça. Oh, le commissariat, on ne respire plus. Tout le monde ne parle que de ça. On oublie les mangeurs, voleurs, pilleurs du peuple. Ça peut-être écornait ton image un tout petit peu, mais toi, tu savais ce que tu faisais. Tu te disais qu'en jouant ce jeu-là, le moment venu, ils vont te récompenser. Que non. Que non. Toi-même, tu sais que le football, c'est un gros business. Toi-même, tu sais qu'il y a trop d'argent dans le football. Toi-même, tu sais les milliards qui sont brassés dans le football. Tu crois que les gars-là vont te laisser gérer des budgets pareils? Ils ne vont pas te laisser gérer ça. Malgré tout ce que tu as fait. Malgré tout ce que tu as fait pour distraire le peuple et les maintenir au pouvoir. Les gars, le moment venu, quand tu veux déjà aussi être sage, hein, quand tu veux rap sense, les gars disent que, hé, Wenge, toi qui, tu pars où? Tu es d'abord espagnol même pour commencer. Allez, dégage. Voilà les pleurs du Mbolé qui commencent partout. Wow, soutien à papa et tout. Wow. Petit frère, le talent que tu as, tu n'es même pas mon petit, tu es mon grand frère, papa. C'est pas parce que je suis une vieille chouette et que j'ai accouché. Tu es mon grand, on se connaît au quad. Tu vois, mon grand, tu venais souvent jouer le championnat du quartier là-bas avec les Mounais. Oui, quand tu étais dans Avenir de Douala, quand tu étais dans Avenir, tu venais chez papa, comment il s'appelait encore, le papa Tamja, ou c'est papa qui l'a, le président d'Avenir, APK 10 là, non? C'est là-bas qu'on allait te faire le Ngambi, non? Hein? C'est le père là, non? Le père qui était mort à la Quintini là. Il avait deux femmes, une femme marocaine et une femme bamileke. Quand il est mort dans sa chambre, il avait dit à la femme marocaine, qui était sa première femme, de ne pas entrer dans sa chambre. La femme, comme les femmes blanches ont toujours la tête, elle est partie, djoum. C'est comme ça que le type, elle a trouvé qu'il était mort. On a porté, on l'a amené à la Quintini quand Ndoumbé était là. Paix à son âme, Ndoumbé. On a amené le papa là à la Quintini. C'est le père là, on connaît tout ce qui se passait là-bas, au quartier, on était au quartier, non? C'est le père là. Arrivé à la morgue là-bas, la nuit, il se réveille. Ndoumbé crie, wow, un cadavre s'est réveillé. Wow, 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 wow. C'est le papa là, non? Président d'Avenir de Douala, on connaît. Hein, petit? Mais tu avais un talent fou. Je me rappelle quand on te louait pour venir jouer au APK 14. Championnat de quartier, il y avait les équipes, on te louait. Parce qu'on louait souvent les mercenaires, les joueurs. On partait te prendre à Neubel pour venir jouer. Maman, le petit, s'il driblait les gens. Il driblait. Et avec son sourire, là, il dribble. Il tape but dedans. Quand il marque 3 buts, il a le bonus. Papa, petit frère, grand frère. On t'a utilisé, tu comprends, non? On t'a utilisé. Ben oui, maman Véro.
Le monsieur qui fait élever en dehors de Kaji, hein, parce que c'est après l'avenir de Douala, il entre à la Kaji Sport Academy, ainsi de suite. Le monsieur qui l'élève, c'était ce papa-là qui était le président d'avenir de Douala. Il y a une grande barrière quand tu vas à PK14, arrive au niveau de Carrefour PK10. Il y a une grande barrière noire comme ça. C'était la maison du papa là. C'était un marabout. Enfin, marabout, on dit. Il disait qu'il soignait les gens, quoi. Il disait qu'il faisait je sais pas quoi, de la science. Voilà. Et donc là-bas, il y avait les ministres qui venaient. Les Mendozés venaient défricher les champs à PK10. On les voyait. Les ministres de la République venaient défricher les champs. Le père là, mof, c'était un papa, tu comprends, non? Il était solide, c'était le père d'Eto, c'est son père. Anyway, donc Eto, non, Eto, je le connais très bien, très très bien. Moi, je suis quelqu'un qui a joué au foot, qui suivait le foot depuis toute petite. Donc, quand il y avait les championnats de quartier dans notre quartier là, hein, Eto venait jouer au quartier avec il y avait nos stars du quartier, on avait notre quartier. Moi, j'ai grandi dans le quartier des Bassa. Moi, j'ai grandi dans les quartiers de Bassa. S'il y a 100 garçons, 90 sont footballeurs. S'il y a 100 garçons, 90 sont footballeurs. Donc, tous mes camarades de quartier ils jouaient dans Union de Douala, Avenir de Douala, ils jouaient dans Dynamo de Douala, ainsi de suite. Tous les gars du quartier, même mon petit frère jouait dans Avenir. Mon propre petit frère est footballeur, il jouait dans Avenir de Douala. Ce n'est pas les affaires que j'entends et je raconte. Non, j'ai vécu, c'est des choses que j'ai vécues. J'ai grandi dans le football. Donc, les gars, là, on partait les louer en gangue. On les louait. Ils venaient jouer. Donc, on les appelait les mercenaires. Chaque équipe dans le championnat de quartier avait droit à deux mercenaires. Et donc, Eto était l'un des mercenaires qu'on partait chercher comme ça. On amenait au quartier. Il jouait son match, il gagnait. Et puis, on lui donnait son argent, il partait. Et puis il y avait les gars de notre quartier même qui partaient jouer en gangue et tout ça. Même mon petit frère grandit en gangue, il a joué en gangue. Voilà, Astre de Douala, c'est ça. C'est de ça même qu'il est question. Donc, c'est comme ça que le petit là, son talent s'est développé. Et moi-même, je mourais pour lui. Moi, c'était le Bassa ou rien, mon ami. Quand le Bassa jouait, tout le Cameroun était paralysé. C'était Bassa ou rien. C'est comme ça que Real de Madrid est devenu notre ennemi. Mais on détestait le Real de Madrid. Mais attends. On détestait le Real de Madrid. Quand le petit l'a quitté, il est venu ici en Angleterre. Il fallait me voir courir pour aller au match. Courir pour aller au match. Je quittais ma petite ville. Je courais partout. J'allais au travail. Je dis, est-ce que vous connaissez Eto? Eto de Chelsea, mon ami. Quand les petits blancs l'ont porté le maillot, Eto, mais attends. J'ai chanté le Vuvuzela, vous me connaissez avec le Vuvuzela. J'ai chanté le Vuvuzela de Samuel Eto'o. Là où j'ai été déçu, blessé, c'est quand Eto'o a trahi le peuple en 2018 avant les élections. Et il savait que sa sortie était très. Et on a d'ailleurs vu ce qui est arrivé à Ahmad Ahmad. Qu'est-ce qui est arrivé à Ahmad Ahmad? On a vu les conséquences de la sardine, de la corruption, du mensonge. Eto dit ici devant sur le perron d'Etoudi que le Cameroun va recevoir la CAN 2019. Lequel d'entre vous n'a pas eu le cœur brisé? Parce que nous tous, on connaissait la vérité. On connaissait la vérité qui est que les 3 000 milliards de la CAN avaient été mangés. On connaissait la vérité qui était que les stades n'étaient pas prêts. On connaissait la vérité qui était qu'il n'y avait pas de route. Regardez, la pénétrante S de Douala, dans quel état? La pénétrante S de Douala, maintenant pour partir de Douala à Yaoundé, c'est 6 heures de temps. Je dis bien 6 heures de temps. Et la pénétrante Est, là, ça dessert le stade de Japoma, qui était censé être l'un des stades. Qui était censé être l'un des stades phares de la CAN. Vous avez vu l'état de la pénétrante Est avec les nids d'éléphants sur la route. Et Eto'o qui passe tenir à Etoudi, il nous dit, et il dit au monde entier que le Cameroun sera prêt pour la CAN 2019. Il l'a tué comme ça, tué tout l'amour que le peuple avait pour lui. Eto'o a oublié comment nous l'avons soutenu. Quand Eto'o voulait faire des projets au Cameroun, les qui bloquaient ses projets, les qui ont mangé son argent, les qui l'ont escroqué. Quand aujourd'hui on se moque de toi, on dit qu'il n'a rien investi au Cameroun et que Drogba a investi en Côte d'Ivoire, c'est à cause de qui?
C'est à cause de qui que Eto'o a été incapable pendant toute sa carrière d'investir au Cameroun. Mais ça, c'est toujours ces gens du gouvernement qui bloquent tout, qui mangent tout, qui gâtent tout, au point où Eto'o est obligé d'aller investir au Gabon. Mais il est toujours derrière eux à les soutenir et il continue de les soutenir en espérant que le moment venu, on va lui donner la FECAFOOT. Le moment venu, il croyait qu'on va soutenir sa candidature. Voilà qu'on n'a même pas recommencé, les gars déclarent déjà que pas de double nationalité. Donc toi là, oh, toi là, tiens-toi loin. Tiens-toi loin. Et vous allez voir, on va donner cette FECAFOOT à des gens qui ne connaissent rien au football, qui n'ont jamais joué au football, qui ne connaissent rien dans le football, qui n'ont pas de carnet d'adresse à l'international. Voilà, c'est ces choses comme ça qu'on décriait, on disait à Eto'o que dans ce pays, on soutient la médiocrité prévaut sur la compétence. Il croyait que c'est seulement le pauvre peuple qui subit la discrimination, la dictature. Parce que quand nos enfants étudient pendant des mois pour présenter un concours et qu'on fait passer des morts, ça ne dit rien à personne. Et ça ne lui dit rien. Quand nos enfants ont dépensé des centaines de millions, on vend même les terrains pour qu'ils passent un concours au Cameroun et qu'on fait passer Brenda Biya qui est couchée dans un hôtel en train de fumer le banga, ça ne lui dit rien. C'est le jour où lui aussi, qui est une sommité du football international, projette des ambitions de diriger le football camerounais et qu'on lui rappelle qu'il est étranger. C'est là où il commence à comprendre que l'affaire que le peuple pleure, si. Donc c'est comme ça. Parce que ce qui va se passer, ils vont aller chercher un Atangana ou un Barga qui n'a jamais joué au football, qui ne connaît rien du football, qui ne connaît même pas comment on négocie à l'international sur le plan footballistique. Ils vont mettre là. Et le même Atangana Mbarga et Tundi va commencer à taxer les joueurs pour les passer à l'équipe nationale, va prendre 5%, 10% dans le contrat des entraîneurs, dont ils vont aller recruter un entraîneur Mbrakata qui va accepter qu'on prenne 10% dans son salaire, ainsi de suite. Et c'est comme ça que le football sombre. C'est comme ça que le football sombre. Et te voilà ça! Hein? Comme ça! On t'avait dit que mets-toi du côté du peuple. Tu as choisi de ton ventre. Tu as dit que tu soutiens Biya parce que pour ce qu'il te fait à toi. Ça n'est même pas le peuple, hein? Pour toi, tu as mis ta personne devant. Tu as dit que Biya me fait. Pour ce que Biya me fait, je le soutiens. Le moment venu, tu as lâché le peuple comme ça, vous. Te voici aujourd'hui. L'enfant qu'on chantait partout. Papa est au ballon d'or africain. Toute l'Afrique te soutient, champion. Te voici aujourd'hui. Est-ce qu'ils peuvent encore parler comme ça? On va te demander que toi tu es qui? Wenje? Ouyenje? Ben oui, tu vas apprendre aujourd'hui que la sardine n'a pas d'amis. Grand! Pour que tu aies l'affaire là. Tu vas faire les sacrifices comme ça. Et peut-être même après avoir fait les sacrifices, les gars vont te lâcher à la dernière minute. Tu vas corrompre les gens pour te voter. Tu vas corrompre. Le jour du vote, ils ne viennent même pas. C'est comme ça le Cameroun. C'est comme ça, tu ignores quoi? C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça. La lecture de l'heure va se faire sur la perruque de Maman Touftouf. C'est là où tu vas lire l'heure. Tu vas comprendre que quand Fanobi Bonbon, tu as passé le temps à jouer le clown, à divertir le peuple, à nous amener dans les histoires de partout, les histoires de revanche porn, les histoires de « Oh, on a encore Eto'o à coucher la femme de Cheju, oh, Eto'o a couché la femme d'Alexandre Son. Wow, nouveau scandale, on se réveille. Dès qu'il y a un petit problème comme ça, là, on se réveille. Wow! C'est Alexandre Song qui fait derrière les lives que Samuel Eto'o a dragué sa femme. Oh, patati patata. Oh, patati patata. On se réveille encore notre matin. Oh, Aurélien Tchédjou dit que Eto'o Nyasanga. Oui, que comme il était le capitaine et il nous faisait le sisia, il a vu Manga. Elle était morte. Il l'a attrapé. Il a Nyas. Donc, depuis qu'il avait Nyas là, tu n'avais rien dit.
C'est le jour où il y a un problème important au Cameroun que vous sortez vos histoires de sans caleçon. Vous avez passé votre temps à distraire le peuple. L'autre fois, on reste encore comme ça là. Wow, et toi, fais TikTok avec une femme là. Que oh, sa femme est sereine. Oh, patati patata. Oh, il a fait les photos. Oh, il a embrassé. Oh, patati. Tu distrais le peuple chaque fois qu'il y a quelque chose d'important. Tu distrais le peuple. Une autre fois, tu as même raison, Christian. On reste comme ça là. Oh, Beto. Donc maintenant, c'est les jeunes. Tu dis que les jeunes Camerounais qui souffrent, qui font le ben sikin, le bayam selam, tous les petits métiers qu'il y a au monde, les chukhead, maintenant, ils doivent seulement jouer au Beto, dans le Njambo. C'est le Njambo que tu as trouvé comme business pour les Camerounais. C'est le Njambo que tu as trouvé que tu devais amener au Cameroun. Pendant que les autres construisent des écoles, les autres font les hôpitaux. Oui, bon, tu as fait un pavillon à la Quintini. Oui, les autres font ceci. Toi, tu as trouvé que c'est le Njambo que tu devais nous amener. Donc, les Camerounais doivent continuer de boire, gnasse, faire les partous, jouer au Njambo et regarder, vous regardez, vous amuser dans vos stades de football et maintenant faire le Congo, ça, c'est qui a couché la femme de qui? Qui a fait draguer la femme de qui? Et toi, bagarré en boîte de nuit avec Alexandre Son. Oh, Aurélien Tchédjou a dit que, oh, Malène Mvoutou avait dit que, oh, Malène Mvoutou et Nathalie Nkoua Baga parce que, oh, Coco Emilia était avec le petit frère. Oh, voilà les histoires que tu nous as apportées, mon frère. Voilà les histoires que tu nous as apportées. Oh, Coco Emilia a lutté avec Nathalie Nkoua parce que chacune disait que c'est elle la copine de tout. Oh, Malène Mvoutou est sortie, elle a dit que machin, elle avait Nia Savet et tout, c'est pour ça qu'elle bagarre avec Nathalie Nkoua. Wow, revanche porn, on va au tribunal. Non, il est entré dans ma maison, il a récupéré tous les strings qu'il m'avait achetés. Il a un homme, il sort avec moi, il m'avait offert une montre, il m'a offert les strings. Il est venu, quand c'est fini, il a récupéré tous les strings qu'il m'avait achetés. Voilà les histoires que tu nous as amenées, mon frère. Voilà les histoires que tu nous as amenées. Jusqu'au point où, au plan international, c'est de ça qu'on parle. Quand on parle de toi, on parle de partout, on parle des femmes, des gens, ainsi de suite. Tu distrais le peuple, mon frère. Tu distrais. Tu distrais. Les vrais footballeurs, quand tu as déjà un nom, ce nom-là que le peuple te donne, c'est pour que tu l'utilises à bon escient. Pour que le jour où tu meurs ou quelque chose t'arrive, qu'on se souvienne de toi, en tant que celui qui avait fait ci, celui qui avait fait ça, celui qui avait apporté ci au peuple. Mon frère, quand tu toi là, aujourd'hui, je ne souhaite pas, tu es encore jeune, tu es petit. Si toi là, quelque chose t'arrive là, on va se souvenir de quoi? Oui, tu avais joué à Real, tu avais joué à Barcelone. Après ça, les Blancs même t'ont tellement fait de racisme que tu n'as pas eu de trophée majeur avec eux. Sur le plan africain, oui, avec les Lions, tu as gagné peut-être un ou deux trophées. Mais sur le plan africain, au lieu de travailler alors ton image sociale pour que au moins de ça, on se souvienne que tu avais fait ci pour les enfants, tu as fait ça, tu nous apportes le football, tu apprends les partout aux gens, c'est toi qui postes les vidéos des femmes et les photos des femmes nues dehors, c'est toi qui gnasse les femmes de tes collègues, c'est toi qui toujours toi, partout où tu passes, nous, tout te suit, toujours toi, mon petit, mon grand. Moi, j'ai beaucoup de sympathie pour ta carrière footballistique, hein, parce que je sais que tu as travaillé dur pour ça. J'ai beaucoup de sympathie, beaucoup d'admiration. Et je pense que tu es un talent gâché. Tu es quelqu'un qui a gâché son talent. Tu es quelqu'un qui a gâché son legacy, son héritage. Tu as gâché l'héritage que tu devais laisser en servant ce gouvernement satrapique. Tu as vu comment ta côte a chuté. Quand tu as lâché le peuple, tu as vu? Ton rayonnement a chuté quand tu as lâché le peuple. C'est de ça qu'il est question. Tu ne t'es pas entouré des... Parce que quand on arrive à ton niveau, petit grand frère, je t'appelle petit, alors que tu es même mon grand. Quand on arrive à ton niveau, on a ce qu'on appelle les conseillers économiques, les conseillers psychologiques, les conseillers médias. On s'entoure d'une équipe de professionnels
qui va travailler notre image, qui va travailler à nous maintenir au top de ce qu'on fait après le football. C'est de ça qu'il est question. Quand tu vois un monsieur comme David Beckham aujourd'hui, David Beckham a quitté le football, mais au Royaume-Uni, il reste une sommité. Il reste une sommité et il ne peut pas chuter même sur le plan financier, comme toi qui as vendu tes maisons, tes propriétés à Barcelone, qui as tout vendu. Tu as tout vendu, obligé d'aller rester en Côte d'Ivoire. Mais l'argent que tu avais, tu ne devais jamais, je dis bien jamais souffrir. Tu m'as dit que tu as aidé les gens, tu as fait ci, mais c'est parce que tu ne savais pas ce que tu faisais. Tu t'es entouré des cancres. Je suis désolée de te le dire. À ton niveau international, tu devais t'entourer d'une équipe de professionnels. D'une équipe de professionnels. C'est-à-dire des gens qui travaillent sur ton image. Tu ne devais même pas parler n'importe quoi dans les médias. Tu ne devais même pas marcher avec les n'importe qui. Je suis désolée, mais c'est la réalité. C'est comme ça que ça marche. On ne demande pas de jeter tous tes amis d'enfance. Hein. C'est normal que tu marches avec tes amis d'enfance, mais ce n'est pas eux qui devaient prendre les décisions dans ta vie. Tu as laissé tes amis d'enfance qui ne sont pas très futés gérer ta vie. Et voilà ce que ça a donné. Tu as un gars comme David Beckham, il a sa ligne de vêtements, il a sa ligne de sous-vêtements, il a maintenant une ligne de whisky qui se vend très 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 bien, hein? De whisky vraiment très bien. Il n'a même plus besoin de toucher au ballon ni de s'approcher du ballon du football anglais. Il ne veut même pas, parce qu'il connaît les problèmes qu'il y a dedans, il ne veut même pas. Il reste dans son petit coin et l'agent entre seulement, ça vient le trouver. L'agent entre seulement, c'est-à-dire que tu es arrivé à un niveau de ta vie où ton nom, rien que ton nom vendait. Je dis que ton nom, rien que ton nom. Mais tu n'as pas su exploiter ça. Rien que ton nom vendait. Il y avait, moi j'ai vu des gens pleurer quand on prononçait le nom d'Eto'o. Des Anglais qui pleuraient. Je ne parle même pas des Espagnols. Tu étais arrivé à un moment où, même si tu vendais les caca emballés, les gens allaient acheter. Mais, c'était où? Je dis que même si tu emballais les caca, tu mettais le nom Eto'o dessus, tu vendais, les gens allaient acheter. Mais tu as laissé que tu as fait chuter ton nom comme ça, vous. L'immobilier en Europe, tu n'as plus. Les voitures, tu bradais tes voitures. Ici, on voyait comment tu vendais tes voitures. Les pensions alimentaires des enfants, tu n'arrives pas à payer. Tu tournes en rond comme ça, là. Il n'y a que peut-être les restes de ton nom qui vendent encore. Et les relations que tu t'es faites. Mais sinon, petit frère, quand on te manque déjà de respect comme ça, c'est parce qu'on sait que tu es fini. On te manque de respect parce qu'on sait que tu es fini. Tu es fini. Quand tu avais l'argent qui pouvait te parler, toi, tu arrivais au Cameroun, les colonels, les généraux, les machins t'accompagnaient. Tu enfermais les gens au Cameroun. Quelqu'un ne te toussait pas devant ta... Même dans la tanière des lions, on ne te parlait pas n'importe comment. Les ministres, tu les tenais au bout des doigts. Tu les tenais au bout du... Tu tirais le ministre par le bout du nez. On a vu ce que tu as fait aux journalistes quand tu avais l'argent. Maintenant que les gars savent que tu es bolet, ils vont te montrer la montre de Montréal. Tu vas lire. En dehors des pleurs que tu vas faire partout, là, tu peux faire quoi? Les gars vont te traiter. Ils vont te traiter. Les gars vont te traiter. C'est là où tu vas comprendre que la sardine n'a pas d'amis. Même ta petite, là, elle peut maintenant te parler fort au Cameroun. Tu vas lui faire quoi? Je dis qu'elle peut te parler fort au Cameroun. L'affaire là, c'est comme ça, hein, les gars. Le régime de Biya, c'est un régime amnésique. Il vous utilise quand il a besoin de vous et il vous lâche quand il n'a plus besoin de vous. C'est un régime amnésique. J'en profite pour enchaîner avec les vraies choses, les bonnes choses. Les vraies choses. L'honorable Jean-Michel Ninjeu, le seul vrai député que
que nous avons au Cameroun, le seul qui tchouque dans le fémur de la satrapie, le seul qui a exposé les manœuvres de John Frundi et de son dauphin, Joshua aussi. Le seul qui nous a montré comment Joshua aussi est allé prendre l'argent au cabinet civil. Le seul député qui a dénoncé la COVID-Gate. Oui, Jean-Michel Nietzsche s'est accroché sur l'affaire de COVID. Il s'est accroché jusqu'à ce que le monde entier a vu le vol à ciel ouvert, le vol éhonté. C'est Jean-Michel Nietzsche qui avait commencé à dénoncer. Jean-Michel Nietzsche, le seul qui continue de se battre à l'intérieur du pays contre le satrape. Le seul dans le SIF qui n'a pas cédé, qui n'a pas mangé le soya. Oui, l'honorable Jean-Michel Nietzsche est à Paris en ce moment. Et il est venu rencontrer la Talibanie. Alliance des forces, union des forces pour chasser Biya. Je dis bien union des forces pour chasser le dictateur. Nous avons aujourd'hui une opportunité inédite depuis le début du combat. Depuis le début du combat, le président Kamto a appelé tous les opposants. Vous avez vu comment le président Kamto était allé à la rencontre de tous les opposants. Ceux qui prétendent être opposants, il leur a tendu la main. Aujourd'hui, nous avons l'un des plus, sinon le deuxième plus grand opposant au régime sur place au Cameroun, qui décide de prendre la main tendue du président élu, qui décide de prendre la main tendue des combattants de la diaspora, qui décide de prendre la main tendue de nous qui nous battons depuis 3 ans pour chasser le dictateur. L'honorable Jean-Michel Nietzsche vient à la rencontre des talibans, des diasporiens, des Camerounais de la diaspora pour leur dire qu'il est temps. Qu'il est temps. Il est temps d'unir les forces pour chasser le satrape. Il est temps de faire front commun pour chasser le satrape. Nous avons martelé ce message depuis 2019. Nous avons demandé que ceux qui pensent vraiment que Biya doit partir doivent s'unir derrière un leader. Les Camerounais ont ce problème-là qui n'aiment pas l'excellence. Les Camerounais ont un problème, ils ont peur de l'excellence. Et Maurice Kamto, c'est l'excellence. Malheureusement, tous ces opposants-là, soi-disant, ne voulaient pas former une alliance derrière lui parce qu'ils avaient peur de son excellence. Parce qu'ils ne veulent pas reconnaître qu'il est l'homme de la situation. Parce qu'ils ne veulent pas reconnaître qu'il est celui-là qui cristallise les énergies pour chasser le dictateur. Aujourd'hui, ils sont forcés de reconnaître que s'il y a une personne sur laquelle tout le monde est d'accord, que c'est lui qui doit mener la lutte contre Biya, c'est le président élu, son excellence Maurice Kamto. C'est le président élu. Alors, voici que l'honorable Jean-Michel Nietzsche reconnaît aujourd'hui qu'il faut s'unir, s'allier, resserrer les rangs derrière le président élu, son excellence Maurice Kamto. Et il vient à la rencontre de la diaspora qui se bat pour le président élu Maurice Kamto. Oui, ceci démontre à suffisance que la diaspora est devenue la pierre tournante de la politique au Cameroun. C'est nous qui donnons le tempo, et c'est la diaspora. Que quelqu'un tente de faire son mamie Pimala sans la diaspora? La diaspora a pris la tête du peloton avec comme leader le président élu Maurice Kamto. Aujourd'hui, tout le monde, on ne parle que de la diaspora. Les Camerounais, même le RDPC fait les marches contre la diaspora. Les hommes, des hommes font les incantations contre la diaspora. C'est nous qui menons le peloton de la lutte. C'est nous. Nous avons pris ça. Oh-ha. Nous menons ce peloton. Aujourd'hui, tous les politiciens sont convaincus du fait que il faut gagner la diaspora pour gagner au Cameroun. Il faut que la diaspora soit liée derrière vous pour que vous ayez une influence au Cameroun. Alors,
l'honorable Jean-Michel Lintieu, le tchoukeur de Fémur, le père des rébellions, l'artisan des villes mortes, parmi l'un des artisans des villes mortes, vient à la rencontre de la diaspora et leur dit, j'ai vu votre force. J'ai vu votre force de frappe. Vous ne donnez pas le lait. Vous dites ce que vous faites et vous faites ce que vous dites. Vous faites trembler tout le pays. Vous secouez le sérail. Oui, l'honorable Jean-Michel Lintieu vient nous dire que les gars, le travail que vous faites là, c'est en train de secouer le cocotier. On est en train de secouer le cocotier. Bia ne dort plus. Sa famille ne dort plus. Ses députés ne dorment plus. Ils organisent. Je salue ici le grand général Cœur de Lion qui est venu me suivre. Plateforme médiatique de la Révolution. Salut mon général. C'est nous qui donnons le tempo au Cameroun. Quand ils font les débats aujourd'hui, oh la diaspora, la diaspora de la honte, oh la diaspora, ils font jusqu'à... Mais vous avez déjà vu un pays où le parti au pouvoir organise les marches contre le parti de l'opposition et contre les opposants? D'habitude, c'est les opposants qui font les marches, non? Aujourd'hui, au Cameroun, on organise les marches contre la diaspora. Les hommes lourds des hommes lourds se réunissent à minuit pour faire les incantations contre la diaspora. On a pris le pouvoir, les gars. Nous détenons le pouvoir. Et on ne lâche pas. Et tout leader qui veut être reconnu au Cameroun doit passer par la diaspora. C'est comme ça et pas autrement. Donc l'honorable Jean-Michel Lintieu vient à notre rencontre ce samedi. Nous invitons tous les talibans à aller à la rencontre de l'honorable. Que cette salle soit pleine à craquer et que nous disions merci à l'honorable Jean-Michel Lintieu de nous avoir tendu cette main. Et nous prenons cette main, nous la tenons et ensemble nous allons cheminer pour renverser cette dictature reptilienne. C'est de ça qu'il est question. Et nous allons travailler afin que les résultats soient palpables sur le terrain. Nous allons travailler afin qu'au Cameroun, les choses commencent à bouger de façon effective. C'est de ça qu'il est question. Il ne suffit pas de s'asseoir dans un petit espace miteux et de dire « Wow, le combat c'est maintenant au 237 » alors qu'on n'a même pas l'ombre d'un combattant au 237 et qu'on a 115 faux profils connectés. On va faire une marche, il y a 5 personnes. Les faux profils ne sont pas sortis. Non. C'est sur le terrain que ça se passe. Et c'est dans la réalité que ça se passe. C'est les vrais combattants qui se connectent. Vous êtes 102 personnes connectées là. Sur les 102, je reconnais au moins 99 qui sont des vrais combattants de terrain avec qui j'ai déjà été sur le terrain. Je salue ici Sylvain Diomo qui a été sur le terrain avec moi. Je salue ici Maman Véronique Tindo qui était sur le terrain avec moi. Je salue Fantoma Sazan qui était sur le terrain avec moi. C'est de ça qu'il est question. C'est la force de frappe. Ce n'est pas le pep-pep. Jean-Michel Lintieu reconnaît notre force de frappe. Oui. Même les marches du pays que le président élu avait appelées, lorsque nous relayons cela, on voit comment ça se passe sur le terrain. Bien qu'on arrête les gens sortent. Contrairement aux villes mortes fantômes, pour lesquelles certains combattants ont fait 2 ans de prison, 2 ou 3 combattants, et personne n'a jamais entendu parler, l'enfumage est terminé. Tout le monde sait aujourd'hui où se trouve le combat. Tout le monde sait aujourd'hui où se trouve le combat. Les combattants qui sont restés cohérents dans leur démarche depuis le début du combat, qui n'ont jamais dit qu'ils supportaient X et demain ils supportent Y. Qui n'ont jamais chanté Kamto président aujourd'hui, demain ils tirent sur Kamto. Non. Même les élus de la nation reconnaissent le président élu Kamto comme le meneur de la lutte. La preuve, Jean-Michel Lintieu s'aligne. Jean-Michel Lintieu s'aligne, la preuve. La preuve. Il n'y a pas deux meneurs dans une lutte. Il n'y a pas 5 meneurs dans une lutte. Il y a une figure qui porte la lutte. Et la figure qui porte notre lutte aujourd'hui, c'est le président élu, son Excellence Maurice Kamto. On l'a combattu sur le terrain au Cameroun. Tous les opposants qui ont refusé de s'allier à lui, qui l'ont combattu, ils sont où? Ils sont où? Les Kawala,
les machins. On dit, quand voilà faisait les marches pour les choses bidons, on dit maintenant il faut marcher pour la libération du peuple. Elle ne marche pas. Ils sont où? Où est son aura? D'ailleurs, celle-là, elle a même disparu. Tous ceux qui ont essayé de combattre Maurice Kamto sont tombés comme on tombe dans l'huile. C'est lui, le leader. Et il va mener cette lutte, même s'il ne veut pas, même si à l'arrivée, il n'est pas président. Pour le moment, c'est lui le leader de la lutte. Et voilà que les opposants, les vrais, s'alignent déjà derrière lui. Les vrais opposants, ceux qui tchouquent le fémur, ceux qui dénoncent le régime. Jean-Michel Nitcho a dénoncé la COVID-Gate. Il était le seul qui répétait cette affaire de COVID-Gate jusqu'à ce que la vérité sorte. Jean-Michel Nitcho tchouque le fémur sur le terrain. Jean-Michel Nitcho est le seul opposant au Cameroun qui a dénoncé l'arrestation de Maurice Kamto. Je dis bien, Jean-Michel Nitcho est le seul opposant qui a dénoncé l'arrestation et la séquestration de Maurice Kamto dans son domicile. S'il y en a un autre opposant qui a parlé, citez-le-moi. Citez-moi un autre opposant qui a dénoncé l'arrestation de Maurice Kamto. Cabral Libi n'a jamais dénoncé l'arrestation du président élu. Au contraire, il avait dit que c'est parce qu'il a encouragé la casse des ambassades, ainsi de suite. Joshua aussi n'a jamais dénoncé l'arrestation du président élu. Je n'ai pas vu tous ces opposants-là. Espoir Matomba n'a pas dénoncé l'arrestation du président élu. Vous êtes tous des opposants à un régime soi-disant. On arrête un et on l'enferme dans sa maison. Vous ne dénoncez pas. Vous restez tranquille. Et après, vous voulez qu'on vous écoute? Il n'y a pas de crédibilité. Il n'y a pas de crédibilité. Je dis bien, l'honorable Jean-Michel Nitcho est le seul qui avait dit devant tout le monde qu'il condamne la séquestration de Maurice Kamto dans son domicile. Il est le seul qui a dénoncé la COVID-Gate. Depuis qu'on a commencé la COVID-Gate, Cabral Libi a dit quoi? Cabral Libi a dit quoi concernant la COVID-Gate? Il a dit quoi? Mintouba Serge Espoir a dit quoi concernant la COVID-Gate? Silence radio. Silence radio. Ils ont dit qu'ils étaient les proposants. Ils sont là pour proposer. Ils ne sont pas les opposants. Raison pour laquelle ils ont tout fait pour que le président élu ne puisse pas mener ce combat. Voilà des gens qui ont refusé d'aller au Conseil constitutionnel poser leur recours. Voilà des gens qui n'ont pas condamné lorsqu'on arrêtait les marcheurs à main nue. Voilà des gens qui n'ont pas dénoncé lorsqu'on a séquestré un opposant au Cameroun. Et vous les appelez opposants? Je dis bien, les vrais opposants aujourd'hui, après 3 ans de combat, reconnaissent la force de frappe, la puissance du président élu Maurice Kamto. Et ils s'alignent derrière lui. Et c'est ça qu'on attendait. C'est un signal très fort qui sera donné à Paris ce samedi. C'est un signal très très fort. 2 opposants leaders de tête au Cameroun s'unissent, ça va faire trembler le sérail. C'est de ça qu'il est question. Je vous avais dit, hein, on ne va pas attacher quelqu'un pour le forcer à supporter Kamto. Hein. Chacun est libre de supporter qu'il veut. Ceux qui disent que Kamto n'est pas le leader, c'est leur problème. Qu'ils aillent là-bas chanter, Kamto n'est pas notre leader. Mais à la fin, tout le monde sera obligé de s'aligner derrière Kamto, veut ou pas. Veut ou pas, parce que c'est lui qui cristallise les énergies. Parce que c'est lui qui mène la lutte. Parce que c'est lui qui draine le monde. Parce que c'est lui que le peuple soutient. Vous vous mettez là-bas, vous dites que Kamto n'est... Il n'y a jamais de 100%. Hein. Tant mieux, allez de votre côté, faites votre leader et autres machin. Mais à la fin, vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de faire des bruits dissonants qui ne font pas grand-chose. Parce que la lutte, la vraie lutte, c'est derrière un leader qui porte cette lutte. Qui se sacrifie pour cette lutte. La vraie lutte se mène en ordre et non en rang dispersé. La vraie lutte se gagne lorsque le peuple rallie sa force, son énergie, son aura derrière un leader.
Au Sénégal, il y a eu un leader. Au Mali, il y a eu un leader. À l'Afrique du Sud, il y avait un leader. Au Gabon même, il y a un leader. Pourquoi est-ce que les gens veulent qu'au Cameroun, on mène une lutte sans leader? On écarte Maurice Kamtopi, bon, chacun fait sa petite lutte de son côté, ainsi de suite. Jamais, ça ne marche pas comme ça. Le leader, c'est Maurice Kamto. Et le peuple l'a choisi. Le peuple s'aligne derrière lui. La diaspora meurt derrière lui. Organiser les marches en diaspora sans Maurice Kamto, vous voyez le résultat. 4 personnes, 2 pèlerins, 3 machins. Mettez Maurice Kamto au cœur de votre marche, de votre réclamation. Ça vous donne le 3 juillet à Paris. Où 15 000 personnes sont sorties. Ben oui. Le 18 mai, on nous a dit, ah, mettez le nom de Kamto de côté, mettez le hold-up électoral de côté. Quand vous dites ça, ça chasse les gens qui ne supportent pas Kamto. On a signé, on a dit non. S'il n'y a pas de hold-up électoral, nous, on ne marche pas. Et on a vu les gens qui sont sortis chantant le hold-up électoral. C'est de ça qu'il est question. Donc l'honorable Jean-Michel Ninche, aujourd'hui, après beaucoup d'années de réticence, après beaucoup d'années de réticence, vous avez vu mes photos avec lui. Je ne suis pas allée prendre les photos avec Jean-Michel Ninche pour la galerie, pour amuser la galerie. On était dans des séances de travail intenses. Vous avez vu Maître Amédée Dimitri Touko, moi-même, Brice Ninche, s'asseoir avec l'honorable Ninche pour lui dire, écoutez, honorable, voici là où la lutte se trouve. Ça fait 2 ans que nous travaillons. 3 ans pratiquement, à cette coalition, à cette union des forces. Et aujourd'hui, nous commençons à voir les résultats. Et nous disons merci à l'honorable Jean-Michel Ninche d'avoir enfin reconnu où la vraie lutte se trouve. La vraie lutte est de joindre ses forces, ses ressources, son énergie, sa maîtrise du terrain pour la renaissance. Parce que croyez-moi, Douala que vous voyez là, hein, la seule personne qui ait battu Jean-Michel Ninche à Douala, je dis bien la seule, et ça fait au moins 30 ans qu'il est là-bas, hein, la seule personne qui ait battu Jean-Michel Ninche à Douala, c'était la défunte Maman Fonny. C'était la défunte Maman Fonny. Elle est la seule personne qui l'ait battue sur le terrain. Jean-Michel Ninche est une bête électorale, je dis bien. Jean-Michel Ninche, c'est une bête de mobilisation. À Douala, il n'y a pas 2 personnes qui mobilisent comme lui. Il n'y a pas 2 personnes qui mobilisent Douala. Jean-Michel Ninche vous bloque Douala en une journée. Vous parlez de quoi? Enfant de Makiza qui est né et grandi à Douala, il connaît Douala comme le fond de sa poche. Il parle le pidgin comme personne d'autre. Je dis que Jean-Michel Ninche, Douala là, il nous paralyse au doigt là en une journée s'il le veut. C'est un allié de taille. C'est un allié de taille. Et nous devons le porter. On le porte au même titre qu'on porte le président élu. On va le porter. Nous allons porter l'honorable Jean-Michel Ninche. Qui a enfin reconnu où la vraie lutte se trouve. Où il a enfin reconnu que sa voix seule était isolée. Parce que même dans son propre parti, il est combattu. Parce que même dans son propre parti, il y a la sardine qui coule là-dedans. Tu es dans un parti, tu es entouré de sardinats, tu fais comment? Tu fais comment? Dans ton propre parti, les sardinats sont dedans. On te combat, toi qui es opposant. Tu dénonces la COVID gate, personne dans ton parti ne dénonce. Tu dénonces l'arrestation de Maurice Kamto. Personne dans ton parti ne dénonce. Donc, nous avons cet allié de taille aujourd'hui. Nous allons le porter. Nous allons le célébrer. Nous allons l'encourager. Nous allons lui donner la force dont il a besoin sur le terrain. Jean-Michel Ninche, c'est un taureau de combattant. Je dis bien un taureau de combattant. Pas les pète-pète. C'est quelqu'un qui a été torturé par la satrapie. Je ne compte pas le nombre de fois où il a été arrêté, bastonné, ainsi de suite, brutalisé, enfermé dans son domicile. Jean-Michel Ninche, c'est un conteneur de combattants.
Vous allez prendre un monsieur comme Kabla Libi qui n'a jamais fait la cellule, qui n'a jamais été menacé par la police. Vous allez prendre un espoir à Tomba qui négocie avec le gouvernement pour ses entreprises factices qui n'existent nulle part. Prenez un Jean-Michel Ninche. Pour la petite histoire, quand on organise les villes mortes à Douala, Jean-Michel Ninche avait une imprimerie. Une imprimerie. Parce que c'est quelqu'un qui s'est lancé dans le business très jeune. Son frère, Brice Ninche, que vous connaissez, mon président à vie, Brice Ninche partait imprimer les cartons rouges qu'on distribuait dans la ville de Douala. Brice Ninche partait imprimer les cartons rouges dans l'imprimerie de son frère. Devinez ce qui s'est passé. Devinez ce qui s'est passé. Le satrape est allé brûler toute l'imprimerie de Jean-Michel Ninche. Ces combattants que vous voyez, c'est des gens qui combattent bien depuis la nuit des temps. Brice Ninche que vous voyez ici, il a fait la prison 22 fois au Cameroun. Il marchait avec le bracelet au pied. Il était interdit de sortir de la ville de Douala. Et les gens s'asseyent dans leur salon feutré en Europe où ils n'ont même jamais fait un seul jour de cellule. Ils insultent les gens, ils disent que si c'est monté, c'est descendu. Oh, comme ce n'est pas notre leader, oh, il n'y a personne au Cameroun. Vous pouvez. Et ils ont même dit que les anciens combattants ont échoué, que c'est eux les vrais combattants. Ils ont dit que les anciens combattants ont échoué. Lequel d'entre vous peut avoir le record que Brice Ninche qui est ici a? Je dis arrêté 22 fois au Cameroun. On le sort dans l'avion alors qu'il est en train de partir en Europe. On vient le sortir de l'avion pour aller le jeter en prison. Sa femme voyage seule pour l'Europe. Elle accouche seule en Europe. Il est en prison au Cameroun. Aujourd'hui, on le voit, on dit, Brice Ninche, c'est les faux combattants. Ils ont échoué. Les anciens combattants avaient échoué. Vous pouviez être au Cameroun à l'époque des Braises. Est-ce que vous pouviez être au Cameroun en train de combattre Biya? Il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait rien. Les gars se battaient sur le terrain, mon ami. Pas les pètes-pètes que nous on fait ici là, aujourd'hui. Je dis bien pas les pètes-pètes. Un gars comme Brice Ninche, que dans Bafang, mon ami, il était recherché dans Bafang, chassé de son village. Jusqu'aujourd'hui, il n'a plus jamais remis les pieds dans son village. Chassé de son village. Vous voyez un monsieur comme Maître Amédée Dimitri Touko, qui était le directeur régional du SIF à l'Ouest. À son âge, il était encore jeune. Pourchassé de partout par les ligues Bafa. Je dis bien pourchassé. Les Siam Siew aussi. Il voit les petits enfants qui viennent mettre le sable dans leur tapioca. Mais il les pourchassé. On a essayé de tuer ces gars beaucoup de fois. Combien de fois ils ont échappé à la mort? Tu vas à Bafang, tu vas mettre le sable dans le tapioca d'un Siam Siewe. Tu vas mettre le sable dans le tapioca de celui qui est maire aujourd'hui, là, comment il s'appelle encore, là, l'autre bandit là. Et nous, on s'assoit aujourd'hui, on prend Facebook, on allume, on fait deux lives, on dit qu'on est les combattants. Quand on arrive sur le terrain, tout le monde fuit. Quand on dit Kacham, tout le monde a déjà dégagé. Personne parmi tous ces gens-là n'a jamais même pris un coup de fouet de la police. Mais ils essayent, on est les combattants, on est les combattants. Allez au choc avec la police d'abord en Beng. En Beng, même encore, c'est sucré. Hein? Même quand on te tape, j'ai les cicatrices au pied, regardez. J'ai les cicatrices, les coups de matraque que j'ai déjà reçus dans ce combat. On te tape les mollets bien même. On te chicote les mollets. L'autre jour, devant l'hôtel intercontinental, c'était pas le lait. Hein? 200 policiers. Je dis que vous avez même vu les hommes fuir. On te tape bien même. Ce n'est pas le pou-pou-pou-pou-pou. Quand on s'assoit, on fait deux lives. On dit qu'on est combattant. Vous n'êtes pas les combattants. Hein? C'est ceux qui sont sur le terrain là. Quand on dit combat, ceux qui descendent sur le terrain, c'est eux les combattants. C'est eux les combattants. C'est les gars qui vont au choc. C'est eux les combattants. Quand on avait chassé Biya en 2019 là, vous avez vu les gars torse nu. On lançait le gaz lacrymogène à leur face. Les gars essuyaient, ils revenaient. C'est eux les combattants. Ces non-names là, ces gars qui ne viennent pas aboyer comme moi dans Facebook.
Mais quand on dit Kacham, ils sont derrière devant. C'est eux. Nandem. Ah, quelqu'un fait deux lives. Oh, il raconte les proverbes de son grand-père. Mon grand-père Nani avait raconté que le combat est devenu la guerre des proverbes. Ce n'est pas le combat. Na for before. C'est devant. C'est devant. C'est quand on mouille le maillot là. Tu mouilles le maillot, toi tu sens que tu as mouillé le maillot. Pas le pou 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 pou. Tu mouilles le maillot. Tu vas au choc. Les cicatrices, c'est ça. Les cicatrices, c'est ça. Les genoux avec le sang partout. Les traces de matraque partout. On te fouette toi-même, tu confirmes le code. Vous pensez que quand les Bibou Nissak sont en prison, là, c'est le lait qu'on leur donne là-bas? Vous pensez que quand les Alain Fogué sont à Konengi, c'est le lait? Ce n'est pas le lait, c'est eux les vrais combattants. C'est eux les vrais combattants. Dernièrement, vous avez encore lu comment ils ont dit qu'on a monté les prisonniers pour venir les attaquer. Quand il y a bagarre là-bas à l'intérieur de Konengi et que le gouvernement a donné l'argent aux prisonniers d'attaquer les combattants de la Renaissance, vous pensez que la bagarre là, c'est la bagarre du lait? C'est le touche-moi, 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 touche-moi. Mon ami, on te dose comme ça, toi, tu confirmes le code. Tu confirmes le code. Les ambazoniens qui sont là-bas, maintenant, ils connaissent. C'est le lait? C'est le lait? Mof. En tout cas, les gars, je vous dis que l'avenir est radieux. Ne lâchons rien. On ne lâche rien. Ce régime va bientôt tomber. Et la présence de Jean-Michel Ninche derrière nous, avec nous, est la confirmation de ce que les choses avancent. On vous avait dit ici qu'on n'a pas besoin d'aller bavarder. Les choses sont en train de se faire sur le terrain au Cameroun. Dans le silence. Il y a un travail de fond qui est en train de se faire. On n'a pas besoin de s'asseoir ici pour raconter. C'est quand ça va commencer à produire que vous allez voir. Vous avez insulté les gars du MRC, dit comment? Ah, c'est les militants Facebook. Ah, ils sont lâches. Oh, quand on a arrêté Kamto, ils étaient où? Ils sont seulement en train de manger le porc. Vous dites maintenant que vous combattez même le MRC. Le travail de fond que ces gars sont en train de faire sur le terrain, à l'heure où je vous parle, pendant qu'on est là en live, ils sont sur le terrain au Cameroun en train de travailler. Ils sont en train de faire un travail de fond. C'est les résultats de ça que vous allez voir. Vous allez seulement voir. Et vous voulez qu'ils viennent s'asseoir dans Facebook et vous dire qu'on a fait ci, on a fait ça. Ils ne disent pas. Insultez-les, ils acceptent. Ils sont combattants Facebook, oui. Ils sont lâches, oui. Ils mangent le porc, oui. Ils mangent le tarot, oui. Mais le travail qu'ils font là, ils ne disent rien, ils ne parlent pas. Vous allez seulement voir. Vous allez voir. Quand le président Kamp te dit changement dans la paix et pas les unes, vous pensez qu'il dit pour rien? Yougo-Siam. 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 En tout cas, les gars, vraiment, je faisais ce truc vite fait. Je vous attendais même pas. La dernière fois, j'ai fait un truc ici. Nous étions peut-être 10 ou 15. Aujourd'hui, vous avez atteint 210 personnes dans une page que je n'utilise même pas, partagée seulement. Et puis, ils m'ont bloqué de l'autre côté. Donc, vous allez me voir de ce côté. Nous allons continuer avec la communication sur le concert de Valsero, le général Valsero qui organise la plus grande messe de la Talibanie au Zénith. Je dis, hoha, c'est la plus grande messe. Et nous lançons l'opération à chacun sa sardine. Chacun doit attraper un sardinat et l'amener au Zénith pour lui montrer que la Renaissance est amour. La Renaissance est commune. On ne se bat pas pour un seul peuple, pour une partie du peuple. On se bat pour tout le peuple. Et que ce soit les sardinats, que ce soit les coquinats, que ce soit n'importe qui, quand ce pays va changer, il va changer pour nous tous. Et on va tous vivre dans le même Cameroun. On ne va pas se tuer. On ne va pas s'entretuer. Jamais. La haine qu'ils veulent nous imposer, nous la refusons. Ils sont sardinats, nous sommes tontinats, mais nous sommes tous les enfants d'un seul pays et nous sommes appelés à vivre ensemble dans ce pays. C'est de ça qu'il est question. Et donc, au Zénith, il y aura les sardinats, il y aura les tontinats, il y aura même les neutras, il y aura les coquinats, il y aura tout le monde, mais ce sera le Cameroun qui va gagner. Et c'est de ça qu'il est question. Donc, tous au Zénith, le 18 septembre, les Bobitanap feront un live de ralliement des troupes. Et bien sûr, en passant, juste un petit truc comme ça en passant, hein, les Bobitanap vous réservent quelque chose de très spécial au concert. Je dis bien,
Les Bobby Tana vous réservent quelque chose de très, très spécial au concert. Restez scotchés, venez tous, venez vous joindre à nous parce que ce sera la fête. Ce sera une fête. Soyons tous ensemble pour fêter et célébrer notre pays, le Cameroun. Portons le Cameroun au panthéon de l'art, de la culture, de la politique mondiale le 18 septembre au Zénith. Je vous aime, je vous adore. Le général Cœur de Lion, si tu veux un billet, tu me contactes, j'ai des billets. Je vous aime, je vous adore. Mais surtout, j'adore mon combat, notre combat. J'adore tout ce que nous faisons ensemble depuis 3 ans. Et croyez-moi, je ne vous trahirai jamais. C'est derrière un seul homme, le président élu, son Excellence Maurice Kamto, jusqu'à la gare. Je ne chante pas Kamto président aujourd'hui pour aller chanter Kabra Libi président demain. Jamais. Tout droit. Pas qu'à bouger. Pas qu'à bouger. Pas qu'à bouger. Tout droit comme ça là. Depuis le début, c'est jusqu'à la gare. Jusqu'à ce que le train là s'arrête à Etoudi. Et nous tous on descend là-bas. Merci les gars. Odile, oui, merci ma chérie. Je te fais un coucou tout à l'heure. Je suis à la maison. Maman Véro, bisous. Général Cœur de Lion, bisous. Je vais encore. Marie-Jane, oh là là, ma lionne. Bisous, 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 bisous. Merci. Merci. Ange de Dieu. Voilà. Shérif Youn. C'est jusqu'à la gare. Donc, restez scotchés. Voici là où on choucle le fémur désormais. Facebook veut être sage. Nous, on va déjouer. Ramener tout le monde par ici. Il y a aussi la nouvelle page Sandy Boston Choucage que j'ai créée. On va aussi commencer à l'animer un tout petit peu parce que. Ils croient qu'ils vont nous museler. On va avoir même 10 pages. On va avoir 10 pages. Ils bloquent une, on utilise l'autre. C'est de ça qu'il est question. Donc, merci les gars. Merci d'avoir partagé ce message. Et on se retrouve très bientôt dans le live des Bobby Tana pour la mobilisation du 18 septembre. Merci. Je vous aime, je vous adore. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort! Il n'y a que la victoire qui soit possible. Du côté des vainqueurs, toujours. Et mébé, dans caramélisé. 100 combats, 200 victoires. 100 combats, 200 victoires. Pour me gagner, il faut me tuer. Si vous ne me tuez pas, vous ne gagnez jamais. Jamais. Allez, les gars. Je vous aime.